Hallstatt, un village pittoresque niché entre les montagnes des Alpes autrichiennes et les eaux cristallines du lac Hallstattersee, est souvent décrit comme l'un des plus beaux villages du monde. La sortie du jour nous emmène à Hallstatt en Autriche. Nous y découvrons un lac magnifique entouré de montagnes et un petit village que nous allons visiter qui semble bien joli et très typique surtout. Ah, c'est magnifique, hein, ce petit village avec l'église, le reflet de la lumière dans l'eau et ces montagnes tout autour. Très romantique. Ce petit joyau, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, attire des visiteurs du monde entier pour ses paysages à couper le souffle, son histoire riche et sa culture vivante. Que vous soyez un amoureux de la nature, un passionné d'histoire ou un photographe en quête de paysages parfaits, Hallstatt vous promet une expérience inoubliable. Hallstatt a une histoire qui remonte à plus de 7000 ans, ce qui en fait l'un des plus anciens sites habités d'Europe. Le village est notamment connu pour la culture de Hallstatt, une période de l'âge du fer où l'exploitation du sel a joué un rôle central dans le développement de la région. Alors, la place centrale de Hallstatt est vraiment magnifique, avec les vieilles maisons ici, typiques, colorées. C'est souvent des petites auberges d'ailleurs. C'est sublime de se promener dans ce petit village. T'as vu là toute la verdure qui pend au balcon? Toutes les maisons sont bien fleuries, c'est magnifique comme petit village. Le village lui-même est un mélange charmant de maisons traditionnelles en bois et de bâtiments historiques, avec des ruelles étroites serpentant entre les habitations colorées. Chaque coin de rue semble sorti tout droit d'une carte postale, offrant aux visiteurs de nombreuses opportunités pour capturer des images mémorables. L'une des attractions les plus emblématiques de Hallstatt est la mine de sel, qui est l'une des plus anciennes au monde encore en activité. Alors d'ici de l'église de Hallstatt, on a une vue magnifique sur le lac et sur le village en contrebas. Superbement fleuri. Franchement, ça vaut le détour. Il faut y aller, c'est extraordinaire. Le lac Hallstattersee est une autre des principales attractions de Hallstatt. Ce lac offre une multitude d'activités, comme la baignade, le paddle, la pêche et le bateau. Pour ceux qui préfèrent rester sur la terre ferme, une promenade le long des rives du lac offre des vues panoramiques sur les montagnes environnantes et le village. Il est également possible de louer des bateaux pour explorer les eaux calmes du lac ou même de prendre un ferry pour une croisière relaxante. À partir du village de Hallstatt, nous prenons un funiculaire ici qui permet de faire le skywalk et d'avoir une vue entière sur le lac. Une promenade populaire est celle qui mène au sommet de la Salzberg, où vous pourrez admirer une vue panoramique sur le village, le lac et les montagnes environnantes. Alors là, on est au top du top, sommet du lac. Hashtag Skywalk. Le téléphérique Skywalk de Hallstatt est l'une des attractions les plus spectaculaires de ce village alpin. Suspendu à 350 mètres au-dessus du niveau du sol, il offre une vue imprenable sur le village de Hallstatt, le lac Hallstattersee et les montagnes environnantes. C'est une expérience à ne pas manquer pour ceux qui visitent Hallstatt, offrant un mélange unique de frissons et de beauté naturelle. Pour atteindre le Skywalk, les visiteurs prennent un téléphérique moderne qui les emmène depuis le village de Hallstatt jusqu'à la plateforme d'observation. Nous voici maintenant au Dallstein-Krippenstein. Donc c'est un téléphérique qu'on va monter pour voir la vue là sur Hallstatt avec les 5 doigts passerelles en fait où on est supposé marcher dans le vide et après normalement de visiter une grotte. Les grottes de glace. Le téléphérique qui mène aux 5 doigts est l'une des attractions phares de la région du Dallstein, offrant une vue imprenable sur le lac Hallstattersee et les montagnes environnantes. Nous allons pouvoir démarrer la visite dans la caverne qui se trouve là, ici. Une caverne de glace.
Après une belle montée assez vertigineuse, sous un soleil de plomb, nous voici arrivés à l'entrée de la grotte. Nous sommes en plein milieu de la grotte de glace avec une belle stalactite de glace, 7 mètres de haut. Les cinq doigts, une plateforme d'observation unique en son genre, doit son nom à sa forme distincte, rappelant les doigts d'une main tendue vers l'avant. Ce site, combinant sensations fortes et paysages époustouflants, est une étape incontournable pour les amateurs de nature et pour accéder aux cinq doigts, les visiteurs doivent d'abord prendre le téléphérique du Dachstein, qui part de la station de Valle à Obertrone, un village voisin de Hastadt. Ça y est, on est au sommet. On a une petite demi-heure de route encore à faire pour arriver jusqu'au Five Fingers, d'où apparemment on a une vue magnifique sur le lac de Hallstatt. Et là, on voit bien les glaciers là derrière nous avec une chaîne de montagnes très impressionnante. C'est immense, on se croit en Norvège, c'est drôle. Hein, le trajet en téléphérique est une expérience en soi, offrant des vues spectaculaires sur les Alpes autrichiennes tout en s'élevant progressivement à travers les paysages alpins. En quelques minutes, vous atteignez la station supérieure, située à plus de 2000 mètres d'altitude, où commence une courte randonnée d'environ 20 minutes vers la plateforme des 5 doigts. La plateforme des 5 doigts est un ensemble de 5 passerelles en acier qui s'étend au-dessus du vide, chacune offrant une perspective différente sur le paysage environnant. Nous allons enfin pouvoir découvrir la vue du lac de Hallstatt vue d'en haut, et là je pense qu'on va le voir en entier. Certaines des passerelles sont en verre, offrant une vue directe sur le précipice en dessous, tandis que d'autres sont équipées de cadres pour capturer des photos parfaites. La magnifique vue d'ici, c'est grandiose, ça valait le déplacement. Hein. Ouais, tout en bas, on voit la ville de Hallstatt. On est entouré de montagnes, il y en a partout. Depuis la plateforme, la vue panoramique sur le lac Hallstattersee, les montagnes du Dachstein et la vallée de Lynn est tout simplement à couper le souffle. Ça y est, on est aux 5 doigts, donc ce sont 5 avancées là, au-dessus du vide pour avoir une vue super sur le lac. Par temps clair, vous pouvez voir jusqu'à des dizaines de kilomètres, ce qui en fait un endroit privilégié pour les photographes et les amateurs de nature. Allez, on y est aux 5 doigts avec la vue magnifique qu'il y a derrière moi. Hallstatt est bien plus qu'un simple village pittoresque, c'est une destination qui offre une combinaison unique de beauté naturelle, de patrimoine culturel et d'activités en plein air. Que vous veniez pour vous imprégner de son histoire, pour profiter des paysages alpins, ou pour simplement vous détendre au bord du lac, Hallstatt a quelque chose à offrir à chaque visiteur. Avec son charme intemporel et son atmosphère paisible,
Il n'est pas surprenant que ce petit village autrichien soit devenu une destination incontournable pour les voyageurs du monde entier.